96, 97 et 98. Nous allons aller très bien et nous allons prendre chaque monde qui l'a pris en vidéo et ouvrir ensemble avec nous dans son 96, 97 et 98. Nous parlons comme ça, je m'appelle le premier verset et au même le deuxième, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que nous lisons l'anniversaire ensemble. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est père, tu ne chancelles pas. L'Éternel juge les pères par les voitures. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la montagne retentisse avec tout ce qu'elle contient. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se font comme un signe devant le ciel, et quand le ciel est la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont en vie, tous les ministères de l'âme, c'est pourquoi la vie s'en va, tous les ministères de l'âme. Sion entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa gloire et son salut sont connus dans les nations. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux îles des nations. Poussez vers l'Éternel le cri de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe, chantez les voici. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie ensemble devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Parole du Seigneur.